pour une nouvelle vidéo qui va être un haul Action comme c'est marqué dans le titre. J'ai été chez Action hier parce qu'un magasin Action a ouvert hier dans ma ville. Ou pas très loin, enfin voilà, ça touche en fait. Donc j'y suis allée, j'ai craqué pour quelques petites choses. On va dire que c'est un méga haul, mais bon, il est quand même assez conséquent. Donc j'ai eu envie de vous présenter tout ça en vidéo et c'est parti. D'abord, donc je me suis pris donc ceci. En fait, non, c'est pas la bonbonnière, ça c'est ce que j'ai eu à Noël. J'ai pris des bonbons. Donc voilà, moi en fait, de bonbons, j'ai vu une boîte de 1 kg, je les ai pris. Donc c'est des réglisses avec d'autres trucs aux fruits, enfin des cerises, des schtroumpfs, des lunes. Voilà, donc ça remplit bien la bonbonnière, pardon. Et c'est sympa, donc voilà, je pense pas manger des réglisses parce que moi je suis pas fan de réglisses, mais sinon c'est assez sympa. Et la boîte de bonbons de 1 kg m'a coûté 3,99€, donc c'est assez. C'est plutôt pas mal et c'est d'Haribo. Donc mon gros coup de cœur, donc c'est le plaid. Donc c'est un plaid avec écrit Home. Je sais pas trop ce qu'il y a écrit dessus. Mais... Days. Voilà. Les petites écritures, il est rose, gris et noir. Et blanc, bien sûr. Couleur dominante. Et donc voilà, il est trop mignon. Moi, je l'adore et voilà, il a l'air assez chaud. Donc j'ai hâte de pouvoir l'utiliser. Ensuite j'ai pris un mémo avec des craies, donc c'est un tableau ardoise, donc c'est marqué menu Enjoy Living, donc je compte le mettre dans ma nouvelle chambre, donc voilà, donc il est plutôt mignon, il y a un petit fil où on peut accrocher des petites choses avec des pinces, et donc voilà, c'est plutôt sympa. Ensuite j'ai pris des serviettes en papier parce que c'était vraiment pas cher, et c'est marqué I love breakfast, lunch and dinner. Et voilà, je les ai trouvées super mignonnes en rose, comme ça j'aime beaucoup le rose moi. Et donc j'ai trouvé super mignonne, donc je me suis dit 0,49€, franchement c'est pas hyper excessif. Moi qui en manque tout le temps, voilà, on va les prendre et donc je les ai pris. Donc ensuite j'ai pris quelque chose qui va pas trop vous intéresser vous, mais moi que j'étais contente de trouver. Donc c'est un jeu de dés avec le petit gobelet. Et donc on peut jouer bah, Williams... au 5000 aussi, parce qu'il y a une copine qui m'a montré comment jouer 5000 et moi j'aime beaucoup, donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé et j'étais contente de les trouver et j'aime beaucoup ce jeu, donc c'est pour celles qui se demandent ce que c'est le 5000, en fait on lance des dés, on doit faire 5000 maximum et enfin 5000 minimum, enfin 5000 maximum, on doit pas les dépasser mais pour gagner il faut les faire et donc voilà, donc faire des 1 et des 5 et donc voilà. Donc j'étais contente de les trouver et puis bah voilà. Donc ensuite j'ai pris une petite fleur de douche. Donc tout le monde se demande sur YouTube comment ça s'appelle, mais clairement c'est une fleur de douche en fait pour moi. Ouais, c'est marqué dessus de toute façon fleur de douche. Hein. Donc voilà, donc elle est rose, blanche et un petit peu plus foncée en rose. Donc voilà, moi j'adore les fleurs de douche, la mienne est un peu vieillotte donc j'ai décidé d'en changer pour une rose blanche et rose. Donc voilà. Donc ensuite j'ai jeté mon dévolu sur des verres Coca-Cola parce que moi je manque un peu de... Je manque pas de verres mais je manque de grands verres. Et donc je me suis dit, je sais plus combien ça coûtait. Je vous mettrai pas les prix parce que je sais plus où j'ai mis mon ticket, je suis désolée. Et donc je crois que c'était 1,99€ pour les 3 verres, je trouvais ça plutôt abordable. Donc voilà, donc c'est un set de 3 verres. De 30 centilitres, donc je trouve ça plutôt sympa. Ils sont assez jolis avec la petite écriture Coca-Cola. Ils sont assez simples, en fait c'est ce qu'on trouve dans les bars à peu près. Voilà, ça ressemble pas mal et ouais, je trouve ça sympa. Donc ensuite je me suis pris deux petites tasses rose et blanche parce que je les ai trouvées hyper mignonnes. Je demandais à mon homme si elle en voulait des grises. Il m'a dit bah non, donc moi je me suis dit bon bah je prends les deux roses et puis bah voilà quoi. Donc elles sont plutôt assez grandes. Elles sont pas hyper grandes mais elles sont bien pour boire le thé ou le chocolat chaud. Donc voilà, par contre il faudra que je les lave absolument parce que là l'intérieur c'est tout plein de poussière donc voilà, mais bon bah. C'était à 0,99€ je crois, un truc comme ça. Je sais plus du tout les prix, franchement je suis désolée. Donc voilà, donc il y a marqué Home is where the heart is. Hopeless and dream. There is no place. Home, voilà. Des petites écritures un peu symboliques et tout, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, donc c'est un bracelet un petit peu style Ipanema. Donc moi qui adore les bracelets style Ipanema, ça tombait très très bien. Donc il était à 0,99€ je crois, enfin je sais plus trop. Il était pas très cher
Et donc vraiment j'ai craqué sur le rose parce que j'ai trouvé plutôt sympa. Ouais, voilà, j'ai trouvé joli le rose fuchsia comme ça. Je trouve que c'est une couleur qui me va assez bien. Et donc moi j'aime beaucoup. Donc voilà, après voilà, comment il va tenir et tout. Enfin, en tout cas je l'aime. Donc ensuite j'ai trouvé un petit cadre donc comme ça. Je le trouvais hyper mignon en fait. Enfin posé quoi. Bon ça bouge un peu, ça bougeotte mais bon c'est pas grave. Donc il y a écrit Enjoy the little thing in life. Donc réjouis-toi des petites choses de la vie, un truc comme ça. Il y aura peut-être quelqu'un qui pourra me faire la traduction en dessous, je sais pas. Donc voilà. Donc avec des petits cœurs, j'ai trouvé ça assez sobre et tout pour la nouvelle chambre, c'est pas mal aussi. Donc voilà, donc j'ai craqué et puis bah, il était vraiment pas cher. Donc je me suis dit allez je le prends et tout. Voilà, c'est pas grand chose, mais je pense que ça va faire son petit effet dans la. Donc j'ai pris aussi donc un petit bracelet comme ceci, donc il coûtait un peu plus cher que le Ipanema. Je le trouvais plutôt sympa, c'est un bracelet manchette en fait. Avec plusieurs rangs, mais en fait il en forme qu'un seul. Et il y a des petits strass et tout, il y a des petites décos, donc c'est un rang sur deux où il y a la même déco. Et j'ai trouvé assez sympa en camel, donc voilà. Donc voilà pour mon bah, petit haul quand même, hein, il est pas énorme. Action. J'espère que ça vous aura donné des idées. J'espère que ça vous aura tenté un petit peu d'y retourner chez Action si vous en avez un près de chez vous. Et j'espère surtout que ça vous aura plu. Voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!